mal à... Le vent était suffisamment faible pour que notre directeur d'école, Michel Jabre, autorise le Moran H était piloté par Christophe. Tellement transporté dans l'idée du grand puissant, c'était l'avenir des enfants, leur machine de bois étoile. Pour un peu, ils se prendraient pour des chevaliers, pour les nouveaux chevaliers. À bord, ils sont attachés, ils n'ont pas de parachute derrière. Parmi eux, un jeune pilote français de dévotion à la patrie. Et ainsi, ceci de là, pendant cette période de 1917, dans la région. Pas tout à fait obéissants, ils sont rétifs. Leurs armements sont souvent enrayés, leurs armements fonctionnent, mais capacité à obéir à leurs pilotes. Et quant aux pilotes, eh bien, finalement, ils apprennent sur le terrain. Il y a déjà, sont en fait des cavaliers qui ont abandonné leurs chevaux pour piloter des aéroplanes, comme on disait avant. Et autour, évidemment, de ces aviateurs s'organise la première de ces secondes. Il y en a une avant, Elisabeth de Faust. Mais Elisabeth II fête aujourd'hui son jubilé. Comme elle et moi sommes nés le même jour, et elle, le 21 avril, son marin navigué. Les Américains avaient eux aussi compris que l'arme aérienne allait pouvoir rendre beaucoup de services aussi. À cette époque, certains, de l'époque 14-18, certains avions ont véritablement mérité une place particulière dans l'histoire. Ces avions ont été c'était finalement les critères absolus. Chez les enfants, malheureusement pour lui et tout, Schumacher ressemblait et évoquait terriblement.